lors de mes premières 24 heures en 2004. Et puis, j'espère que ce sera une très belle édition, puisque ce seront mes dernières 24 heures que l'on se voit. Et ben, à mon âge, il est temps de me retirer juste après ça. On est vendredi soir, et ça y est, c'est déjà la fête dans les campings. Le kiné, il est rendu. Oh, splendide! Donc ça y est, on a fini la visite des stands avec les autographes, tout ça. Et là, on va se prendre une petite mousse et puis faire un petit débrief avec tout le monde. On entend bien les Gaulois. Ah ouais. Ouais, on va aller voir les campings après. C'est la guerre. C'est parti pour les 24 heures du Mans 2023. Donc on part à la 33e position à 15h. Ce matin c'est le warm-up. Donc on a 45 minutes pour les 3 pilotes. Et puis après départ à 15h. Donc là en fait on va valider la moto de course. Donc on a très très peu roulé, mais bon, pas de raison que ça aille mal. Donc en fait le warm-up c'est pour vraiment les derniers ajustements quoi. Les derniers réglages s'il y a besoin, mais normalement c'est juste pour valider la moto qu'elle est complètement révisée hier soir jusqu'à tard par les mécanos. Alors ici c'est le coin pilote. Ça nous met nos combinaisons, nos casques, les gants, dorsales et puis les bottes en bas. Ça, c'est la petite armoire séchante, on met tout dedans en fait qu'on descend de la moto et après ça sèche à l'intérieur. Ça, c'est une étuve en fait qui a 60 degrés. Ensuite ici c'est le coin mécano. C'est là où ils se reposent, ils prennent le petit café, petit Nutella, après ils ont les boissons. Ça c'est le coin pour les partenaires, les sponsors. En fait comme ça ils sont en immersion pendant la course. Et après pour finir, ça c'est les pneumatiques, tout est noté, les gommes, tout ça, les pressions. Et ça c'est la moto de course, et ça c'est le mulet. Donc le mulet normalement devrait plus rouler, vu que ce matin on teste la machine de course. En fait on a transféré tous les réglages du mulet sur celle de course. Et ça c'est le coin du chef. Là où ça fait les stratégies, ses calculs, tout ça. Ça c'est les casques qui sont obligatoires dans la pit lane pour les mécanos et panoteurs. Et c'est la béquille. Et voilà les deux belles motos. Et c'est la 10e participation du Team Racing en 24. Et pour ma part, c'est la 4e avec eux en tant que pilote. Et la 5e au total. Ce qu'il faut regarder en course, c'est ça, c'est là où il y a le petit cadran jaune, en fait, c'est la température moteur. Ça, il faut le surveiller à chaque tour, chaque ligne droite, il faut regarder.
Il est début du warm-up, il est 9h30. Bon, le warm-up s'est bien passé, maintenant là il est midi, on va aller manger. Mathieu prend le départ à 15h, ensuite c'est Marc, et ensuite moi je pars vers 17h, à peu près. Il y a les Gaulois qui sont tous là. Je peux pas me regarder dans les yeux, je me souviens de ces jours, on l'a vu en live, je vais si je chute dans les yeux. Ouais. Après, on repart sur le box. Ah ouais. C'est ça, c'est les yeux, ils sortent des globes oculaires. Ah, mais ce gars, moi, il me fait peur. Départ dans 5 minutes. Oh, mais toi, c'est trop beau. Par son élan et un excellent départ pour Marvin Fried sur la Yamaha. Une chute, une chute. Oh, et une chute. Accrochage. Oh là 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 là. Ouais, alors attention, la 777. Là. Et on a toujours très très peur dans ces cas-là, mais ça va. Tout le monde avait. Oh là 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 là. Avec d'entrée de jeu. C'est Greg Black. Oui. Je crois que c'est Greg Black. La Suzuki qui est déjà dans le bac à gravier. Que s'est-il passé pour Greg Black? Bah voilà, ça y est, la saison est lancée. Bon, déjà, on espère qu'il s'est pas fait mal. Ouais, juste de savoir s'il a pu se relever. Mais là, un départ encore une fois. Très très. Voilà. Oh là 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 là, la moto du CERT. Oh, c'est chiant. Qu'est-ce qui s'est passé pour Greg Black? Mais peut-être les pneus froids. Ah, oh non. Oh là là là. Putain. Oh. Intéressante. Je crois que dans l'esprit de la répartition des rôles entre la catégorie WC, qui est la catégorie reine, et la catégorie Superstock, c'est plutôt une bonne décision avec finalement à chaque fois
Alors c'est une coupe du monde, hein, c'est pas un championnat du monde, mais beaucoup de compétitions. C'est la moto numéro 18 qui avait remporté cette coupe du monde l'année dernière, les pompiers. Et donc là il va falloir faire très attention quand ça va repartir, parce qu'on a vu que le groupe de tête, donc c'est la numéro 7, ils ont rattrapé des retardataires. Donc ça veut dire que quand ça va repartir, bah, les retardataires... La rallye au bol d'or. Oh là, une machine, une Kawasaki au tapis là. Eh ben, c'est le numéro 85, oui, me semble-t-il. Avec Bachelier. Le Team Racing 85 by Createch avec Marc Bachelier. C'est lui. À son guidon. Et un équipage 100% français, là aussi, avec Jérémy Hérault et Mathieu Thibault comme coéquipier. Et avec comme pousser remplaçant d'ailleurs un certain Louis Lagrive. Le fils de Mathieu. De Mathieu Lagrive, c'est ça. Qui va être dans les 3-4 qui ont fait le plus de participations. Il a crevé. Hein. Gérard Jolivet a fait 25 participations. Alors pour Mathieu, je crois que c'est 21 ou 22. Ah, et on va avoir une interview. Marc ensuite a fait son relais, mais Marc a chuté vers la fin de son relais
à quoi, à 5 minutes de la fin du relais, il a fait une petite chute au raccordement. Donc la moto est rentrée, il y a eu 15 minutes de réparation dessus. Et ensuite, je suis reparti avec la moto et j'ai pas fait un bon relais, sincèrement, j'ai pas été bon. J'étais pas très en confiance, la moto avait chuté et puis j'avais un petit drip sur cette moto que j'avais pas ce matin au warm-up, et là j'avais vraiment un drip bizarre, j'étais pas dedans. Et ça sautait vraiment de l'avant. Gris le blanc, pardon. Bon, elle est facile. Elle est facile, c'est une autre couleur. Il reste serein, Greg Leblanc. C'est le recordman de victoire aux 24 heures moto, donc il sait comment faire. C'est le co. Co. Ouais. Co-recordman. N'oublions pas raison, notre Guillaume. Alex Vieira. C'est vrai. Qui est derrière sa télé. Qui... Ah, il y a de la fumée là. Qui doit pester. Ouais. Moi, je suis d'accord. Je l'ai oublié, Alex Vieira. Non, raison. Il peste pas. Il se dit, est-ce que je reste toujours. 5 victoires, hein, Greg ouais, Leblanc. Alex Vieira, ex aequo, recordman de victoire ouais, dans cette épreuve. Attention, ouais, parce que la moto devant, ça fume quand il accélère. La 85, là, il faut, là, faut qu'il se pousse, il faut lui mettre un drapeau. Il faut le prévenir parce qu'il ne le voit pas forcément. Ouais, non, lui, il ne le revoit pas, mais il faudrait vite qu'un commissaire mette le drapeau parce que là, c'est dangereux. Il y a beaucoup de bons concurrents en face de nous, mais on va tout donner et on espère que cette fois-ci, ça ira dans notre sens, dit Marvin Fritz, on le sait. Cette équipe Yart, toujours un peu frappée. Décidément, le sort s'acharne. Ce serait le fil très vite qu'aurait remarqué rentrer. En fait, on a eu un drapeau noir avec un rond orange et en fait, il y avait de l'huile dans le sabot. Ce serait le filtre à huile qui est desserré alors qu'il est freineur. Donc ils n'ont pas pu faire beaucoup de séances d'essai. Et là, les premiers relais qui sont rapides sur le sec, il faut prendre ses marques. Ouais, ça se libère souvent au bout du troisième relais, voilà, pour des équipages qui n'ont pas énormément roulé. Troisième relais de la machine ou troisième relais des pilotes ? Troisième relais du pilote. Ah oui, ça fait faire tard quand même. Ouais. Le premier relais reste quand même très, très difficile. D'ailleurs, en parlant de refueling, depuis la course des 24 heures du Mans, désormais obligatoire d'avoir ce nouveau système de refueling monovan. Ouais, exactement. On n'a plus les petits bidons d'essence à l'ancienne, hein, c'est fini ça. Non, avant, notamment sur certaines motos, on avait une double vanne. Alors on a gagné en sécurité puisque cette monovan ne permet absolument pas une fuite d'essence. La BM qui va devoir attendre le prochain safety car, il ne pourra pas sortir sur le même safety car, il va perdre à peu près un demi-tour dans cette affaire, mais forcément le changement de plaquette aura pris 45 secondes environ. Une nouvelle neutralisation dans ces 24 heures moto. Safety car, on le rappelle, on doit attendre le second safety car, donc on perd obligatoirement un demi-tour. S'il est sorti derrière le même safety car, Marcus Reiterberger, alors qu'on a un replay à l'image. Petit tout droit. Ouais, et on a revu cette chute depuis la caméra embarquée de la Kawasaki. On a perdu l'avant, hein, Vincent. Ouais, perdu l'avant droit, hein, au frein, c'est assez étonnant comme chute. Numéro 96. Ah, l'huile absorbante qui va essayer de fixer toutes les résidus de gras.
Il est 23h37, je pars pour mon troisième relais, sachant que dans le deuxième relais, le tour de sortie, donc je sors des stands, quatre virages plus tard, j'étais par terre. En fait, je suis arrivé, il y avait le drapeau changement d'adhérence, donc jusque là, ok, donc j'ai pris des précautions sur la prise des freins, nickel, mais bon, je suis passé sur la 13 000, quoi. Donc je me suis retrouvé par terre, glissé sur le ventre. En train de regarder la 11 qui est arrivée sur moi, donc la Kawasaki numéro 11. C'était un grand moment de solitude. Mais ça s'est terminé avec la moto, il y avait comme la ligne qui a pris, les carénages. Et voilà, donc je m'excuse auprès du team, mais là, sincèrement, j'ai rien pu faire. Et là, actuellement, c'est Mathieu qui est en piste et je vais prendre la suite. Et le problème, c'est qu'en fait, donc là, on est rendu à deux chutes. Et suite à la première chute, ça a décalé la ligne d'échappement. Et comme ça a décalé la ligne d'échappement, on écrase le filtre à gasoil, filtre à huile, pardon. Et comme on écrase le filtre à huile, il a percé deux fois déjà. Je me suis retrouvé dans mon dernier relais là. Après ma chute, je suis reparti. Et après quelques tours, j'avais l'huile sur le pneu arrière, donc j'ai perdu deux fois l'arrière, mais assez violemment. Et donc par chance, pas de chute. Mais du coup maintenant ils ont mis une plaque de métal, donc j'espère que ça va pas recommencer. Donc voilà, ça repart dans une demi-heure. Pas une demi-heure. Steven Neumann de Pirelli nous dit là, ça caille grave. Parce mais que pas lui, tant il est que ça même... encore, on nous annonce 6 degrés, c'est les informations. Non, mais ça caille grave parce que lui, il est quand même dans les box. Il n'a pas la possibilité d'être derrière une cabine et un petit peu au chaud de temps en temps quand même. Il y a eu 2 degrés et... parfois en 2015 ou 16, il y a eu jusqu'à 0, vous nous avez dit Vincent Philippe. Ouais, mais bon, quand on bouge, quand on est actif, c'est vrai que ça va. Il est 4h10 du matin. Je vais partir dans 30 minutes pour mon quatrième relais. Mais là, il fait 5 degrés dehors. Du coup, il y a beaucoup d'humidité. Quand je suis sorti de la caravane, quand j'ai pris ma 50, elle était trempée. Il y a des chutes, les chronos sont beaucoup moins rapides. Et c'est surtout que ça caille, mais ça caille. C'est les 24 heures du mois les plus difficiles que j'ai fait. C'est mes cinquièmes et waouh. Ils font mal. Hein. Ceux-là, il fait froid, la piste est compliquée. Deux chutes. On a eu deux problèmes de filtre à bille aussi.
On les a bien collectionnés là. Pourvu qu'on soit épargné maintenant jusqu'à la fin de course. Ah si, on a aussi deux capteurs de chute. Là cette année, on a été maudit, je sais pas comment c'est possible d'avoir autant de problèmes. C'est comme ça. L'an dernier ça a roulé, c'était facile, et cette année c'est très 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 compliqué. Deuxième question, ça me reposait. Je trouvais que c'était plutôt pendant un quart d'heure, 20 minutes, il n'y avait pas d'effort physique à produire. Et souvent, je voyais plutôt ça comme une petite pause voilà. Qu'autre chose. Là, regarde, je viens d'avoir il y a plusieurs écoles. Hein. Oui, ouais, là, je viens d'avoir Kenyo. J'arrive un moment à l'entrée du raccordement, je perds l'avant, il y avait de l'huile, il y avait des motos partout, il y avait le yacht qui était tombé, il y avait je sais plus qui tombait. Quasiment 7h ce matin, et là ça va être le cinquième relais, ça caille, oh là là, il va faire mal celui-là, oh le relais du petit matin putain, c'est lui qui pique.
Et pour info, il fait 3 degrés. Ouais, 3 degrés 7. Du volume et de la performance. Et une nouvelle moto à terre. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas 10 minutes sans voir une moto dans le bac à gravier, cette 46e édition. Avec donc la moto du Team Racing 85 qui est partie à la faute Marc Bachelier. Oh, elle a souffert. On est à la Dunlop. Non. Ah si, peut-être. Si. Eh oui, c'est allez, ça. Freinage de la chicane Dunlop. Ouais, freinage délicat, hein. On sort d'un droite, on prend les freins, on est anglais à droite. On doit relever sa moto et repartir. J'ai une barre céréale éventuelle. Et on revoit la chute de la 777. Et il y en a eu des chutes dans cette fin de nuit. Je pense que ça doit être celle peut-être d'Alexis Masbou, qui lui aussi est parti à la faute. Et puis on voit hein, sur les freinages, voilà, on perd l'avant et ça part. Ça, c'est vraiment les conditions de piste, hein, sans doute, qui ont provoqué. Ouais, sûrement le froid, parce que comme ça, chuter à la prise des freins, c'est quand même. Et je vais passer la main à un garçon qui n'a jamais perdu l'avant. Rémi Tissier, c'est à vous. Mais parfaitement, Gilles, bonjour. Toujours fidèle au poste. Bon, c'est une hécatombe, il y a chute sur chute. Et on n'est pas épargné, encore une chute. Et là, il y a un cadre maintenant. Marc, elle a fait les fils cassés, donc si on repart, on finit la course à deux. Parce que j'étais fatigué. C'est encore plus dur de réaliser quand on a les idées un petit peu reposées, quoi. Ah, ça fait chier. Ça fait chier. Quand on voit le temps que c'est en investissement pour l'équipe, pour tout ça, ça me fait chier pour moi, bien sûr, mais ça me fait encore plus mal pour l'équipe parce que c'est ces mecs-là qui. On bossait, ça me fait mal pour Steph. Steph qui arrive à fédérer tous ces gens, c'est incroyable, quoi. Et puis arrêter comme ça, on pourra dire ce qu'on voudra, mais ça reste un échec pour un team. On fait de l'endurance, tout ce qu'on veut, c'est que la moto fasse des ronds. Quand ça s'arrête,
c'est un échec. Et ça va nous rendre plus forts. C'est mon premier 24 que je termine pas. Je peux vous dire que ouais, mentalement c'est pas simple. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L'an dernier, l'état de la moto. Le 24 litres, il a mangé là. Il a mangé là. Il va avoir à 3000 euros quand même. Ça, c'est le colis. Du Mans, il fait un temps magnifique. On a passé une semaine avec un temps exécrable et là on part du Mans, il fait un temps superbe. C'est génial. Merci au Team Racing. Je voulais surtout remercier l'équipe, mes coéquipiers qui ont été super, l'équipe qui a été au top. Je voulais surtout m'excuser d'avoir fait tomber la moto. Même si je glisse sur une trace d'huile, ça n'empêche pas que c'était mon guidon et que voilà, on peut toujours éviter une chute. Donc mille excuses. Et voilà, j'ai pris de l'expérience hein, ce week-end, ça c'est clair. J'ai pas été très vite, ça faut l'avouer. Hein. J'étais garé en 42-43, j'étais pas bien. Je me suis cassé le pied il y a deux mois et voilà, je pense que je suis revenu au mieux que j'ai pu. J'avais toujours une petite appréhension, j'avais toujours. Je voulais pas retomber sur le pied, je sais pas, je me suis pas lâché, psychologiquement c'est pareil. Et c'est 100% de ma faute, j'ai pas d'excuses. Donc je vais travailler ça au mieux, faut que je perde aussi un peu de poids parce que j'ai quand même 4 kg de plus que l'an dernier à la même période. Donc il faut que je me reprenne vraiment bien en main. Et voilà, que je sois pas un poulet pour mes coéquipiers. Donc prochaine course, les 24 de Spa. Ce sera au mois de juin. Et je voulais aussi, là que j'y pense, remercier les commissaires qui m'ont pris en charge après ma chute. Ils ont été vraiment bienveillants et super avec moi. Et
donc si vous regardez cette vidéo, merci à vous. On a beaucoup de chance d'avoir des gens comme ça qui sont là pour nous protéger, hein, c'est nos anges gardiens, les commissaires. Et puis on se dit à Spa. Je ferai sûrement un vlog dans ce même format. Voilà. Bye bye. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a coke thing. Likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Stabbed in the back, bet I'll show you what happens. Pass me the mic
turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. I'm orange.